charger les cadavres sur les chariots qui vont au quartier inondé. Si, mais c'est trop loin. Et je sais pas toi, mais moi je veux pas choper la peste, là. Ben, on n'est pas protégé par l'élixir? Qui sait? En tout cas, balançons-les ici. Les râler. Votre attention, citoyens de Dunwall. L'assassin Corvo, coupable du meurtre de notre impératrice bien-aimée et de l'enlèvement de Lady Emily, héritière du trône, s'est temporairement soustrait à sa détention. Vous êtes tenu de coopérer immédiatement avec la garde urbaine si vous le localisez.
le génie crevé là-dedans. Je ne laisserai pas filer, chef. Parce que tu crois que tu fais le poids? Seul face à lui, t'as aucune chance. Mais je fais quoi s'il y a personne d'autre dans le coin? Essaie de faire du raflux en mourant. Fais tomber un truc si possible. Crevard. Pas étonnant. Il y en a qui viennent mourir ici des fois. Ils plongent dans l'eau et fin de l'histoire. Je me demande si c'est profond. Je vois rien d'ici. C'était rien. Ah, sale bestiole. C'est peut-être le vent. Attention, citoyens de Denois. L'assassin Corvo, coupable du meurtre de notre impératrice bien-aimée et de l'enlèvement de Lady Emily, héritière du trône, s'est temporairement soustrait à sa détention. De braves agents de l'État sont morts en tentant de l'arrêter. Il doit être capturé à tout prix, mort ou vif. Corvo, par ici. Venez, je suis avec vous. Je m'appelle Samuel, et je travaille pour des gens bien qui aimeraient beaucoup vous rencontrer.
Ils ont dit que je vous trouverais là, mais j'ai encore du mal à y croire. Je vais vous conduire à eux. Bon, c'est pas loin d'ici, par le fleuve. Voici le pub Hound Pits, fermé au public tout comme la moitié du quartier déclaré sinistré par la peste. Nous sommes juste sous le nez du Lord Régent et il ne se doute de rien. Bien sûr, si quelqu'un découvre ce qu'on fait ici, la garde va débarquer l'épée au poing. Avec votre évasion, le Lord Régent va mettre la ville à sac pour vous retrouver. Je vous emmène voir l'amiral Havelock et le reste des loyalistes. L'amiral est un homme plein de ressources. Si quelqu'un peut vous aider à retrouver cette petite Lady Emily, et laver votre honneur, c'est bien lui. J'imagine qu'ils travaillent tous d'arrache-pied. Allez-y, ils vous aideront à démasquer l'assassin de l'impératrice. Votre attention, citoyens de Dunwall. Le couvre-feu est en vigueur jusqu'à l'aube, sauf autorisation contraire. Tout contrevenant sera soumis à interrogatoire et placé en détention. N'oubliez pas, les mesures les plus dures sont aussi les plus sûres.
Votre attention, citoyens de Dunwall. Le vieux port est... Ah, vous devez être Corvo. Je suis Lydia, à votre service. Votre chambre vous attend à l'étage. Quand on m'a dit qui vous étiez, j'ai cru que vous seriez plus vieux, comme l'amiral. Restez loyaux. Pardon pour cette obscurité, mais on ne peut pas risquer d'être vu. C'est même plutôt romantique, non? C'est moi qui tenais ce pub avant. Je pourrais vous en raconter des histoires, croyez-moi. Vous pouvez appeler Cécilia pour toutes les corvées. C'est son rayon. J'espère que le lit vous convient. Appelez-moi si vous avez des insomnies. Suite à des risques d'infection, tout débarquement fluvial est interdit dans le quartier de la distillerie. Tout contrevenant sera emmené... inondé pour y être réhabilité. Les meubles ont été installés, non sans une bonne dose de jérémiade de la part de ce rogaton de passeur. Les autres n'ont aucune idée de la souffrance que j'ai endurée. À ce propos, Wallace, apportez-moi deux bouteilles de rouge de Dunwall, n'importe lequel, et un verre propre. Oh, tant pis, je recommence.
tentez pas d'héberger ou de... un ami ou un proche ayant des marques de sang sur le visage ou la poitrine. Le seul moyen... L'idée consiste à les livrer à la garde urbaine. Ils seront pris en charge du 14. Inondé. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase. Grâce aux improvisations de Martin, le garde du corps a été libéré et devrait bientôt arriver au quartier général. Avec l'influence politique de Pendleton et mes relations militaires, il ne nous manquait plus qu'une force létale et contrôlable pour remédier à certains... Ah. Bref, nous avions besoin de quelqu'un pour expédier les gêneurs. Corvo est notre homme, ça ne fait aucun doute. Terminé. C'est bon ? Directeur, où est-ce qu'il est ? Votre attention, citoyens de Dunwall. Attention, l'infestation de raclures d'eau s'est étendue jusqu'à l'embouchure du fleuve et au quartier inondé. Ne tentez pas d'approcher ou de détruire cette vermine. Tout objet récupéré à cette occasion appartient à l'État. Votre attention, citoyens de Dunwall. Lady Emily Caldwin a été enlevée il y a 6 mois environ, le jour du meurtre de sa mère. Quiconque détient des informations permettant de retrouver l'enfant de notre bien-aimée impératrice est tenu de se présenter immédiatement à la garde urbaine. L'amiral tiendra sûrement à vous parler. C'est qu'on s'est donné de la peine pour vous. J'éviterais de lambiner si j'étais vous. Faites attention, le temps joue contre nous. Bienvenue au Hound Pits. Que puis-je faire pour vous ? Bonjour, je m'appelle Wallace et voici Cecilia. On nous a informé de votre arrivée et nous ferons tout pour ne pas vous déranger pendant votre travail. Oui, Lydia est l'une des employées. Si je peux me permettre, je suis l'assistant de Lord Pendleton et l'un des majordomes du manoir Pendleton, comme mon père avant moi. J'ai la responsabilité de ce manoir, le refuge des loyalistes. Je n'ai jamais vu l'amiral échouer, quoi qu'il ait entrepris. Si quelqu'un peut rétablir l'ordre à Dunwall, c'est bien lui. Il nous rendra notre ancienne vie, j'en suis sûr. Inutile de l'amiral vous préciser a servi que nous dans serions la marine dans de beaux draps si les autorités venaient chose fouiner s'est produit par avec ici. Le Lord Régent, et si j'ai bien compris, il a été forcé de partir. L'amiral Havelock a été très clair.
Il est interdit de sortir avec des lampes. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais la ville a beaucoup changé depuis la mort de l'impératrice. Le Lord Régent a pris le pouvoir et il est préférable d'éviter la garde urbaine. Les gens n'osent même plus s'aventurer dehors. On ne peut pas quitter le pub. Je n'ai nulle part où aller de toute façon. Je vivais dans le quartier inondé. Votre attention, citoyens de Dunwall. Le couvre-feu est en vigueur jusqu'à l'aube, sauf autorisation contraire. Tout contrevenant sera soumis à interrogatoire et placé en détention. N'oubliez pas, les mesures les plus dures sont aussi les plus sûres. Nous avons ramené quelques bibelots du manoir Pendleton pour nous sentir chez nous en ces heures sombres. Vous serez dans le grenier, intimité garantie. Lord Pendleton était un ami intime du Lord Régent, mais les familles aristocratiques ont été redistribuées. Pendleton a été attaqué de toutes parts par des vipères. J'ai ouï dire que vous étiez admis à la cour avant le meurtre. Je m'avoue soulagé de voir ici un autre homme au fait de l'étiquette. Ce bâtiment remonte à plus de 3 siècles. Tant que Lord Pendleton y logera, je mourrai pour le défendre. C'est d'ailleurs probable. Restez à l'écoute, restez loyaux. Nous en reparlerons plus tard, Lord Pendleton. Le héros du jour est arrivé. Corvo, je suis l'amiral Havelock, fidèle serviteur de l'Empire, comme vous. Jusqu'à ce que le Lord Régent renvoie ceux qui refusaient de reconnaître sa légitimité. Je suis Lord Trevor Pendleton. Je représente la noblesse dans notre petit groupe. Mais nous sommes tous égaux ici, au Hound Pit. C'est un moment décisif, Corvo. Je vous le dis sans fioriture. Nous avons fondé une coalition de loyalistes, dans le but de mettre fin à la tyrannie du Lord Régent et restaurer le trône. Au risque d'être exécuté, nous sommes décidés à retrouver la jeune Lady Emily et la voir couronnée impératrice. Nous avons un plan, mais nous ne pouvons rien faire sans vous. Il nous faut votre talent, notamment pendant le combat. Si vous nous aidez, nous vous aiderons à vous venger de ceux qui ont tué l'impératrice. Désolé, vous êtes sûrement épuisé. Nous en reparlerons lorsque vous serez reposé. Mais avant de partir, allez donc vous présenter à Pierrot. C'est un provocateur. Mais son génie sans égal lui donne ce droit. Oui. Pierrot est aussi bien artiste qu'ingénieur. Il vous fabriquera l'équipement qu'il vous faut. Allez lui parler, puis dormez un peu. Nous nous parlerons plus tard. Enchanté, Maître Corvo. Nous nous sommes déjà vus en des jours moins sombres. Mais cela remonte à si loin. J'étais un ami intime du Lord Régent, Hiram Burrows. Il n'était alors que maître espion. C'est un manipulateur de première, vous pouvez me croire. Vous avez une certaine prestance, Corvo. Auriez-vous des ancêtres nobles, par hasard? Je n'en serais pas étonné. Je suis un parent éloigné de feu l'impératrice, saviez-vous? Trop éloigné, hélas. Jamais je ne serai empereur. La grande majorité des nobles s'est ralliée au Lord Régent suite au meurtre de l'impératrice. C'était le plus facile. Pour ma part, j'estime qu'être noble impose une certaine loyauté. La ville tombe en ruine depuis que la peste s'est déclarée. Quand je vois ces pauvres géniards aux orbites ensanglantées, il paraît qu'à ce stade, il n'y a plus d'espoir de guérison. C'est affreux. Content de vous avoir parmi nous, Corvo. Je n'ai rien contre les autres, mais rien ne vaut un homme qui a déjà servi loyalement la couronne. Ne tentez pas d'héberger. Vous avez vu Pierrot? Il a conçu les armes que nous vous avions laissées lors de votre évasion. Rendez-lui donc une petite visite. Collaborer avec un homme qui a côtoyé l'impératrice, cela signifie beaucoup pour nous. Rien ne la fera revenir, c'est sûr. Mais nous avons son homme de confiance.
et nous pourrions peut-être vous aider à blanchir votre réputation. Ce bar m'appartient, mais vous êtes ici chez vous. Pierrot vous attend toujours. Il est... La diplomatie n'est pas son fort, mais c'est un homme brillant. Samuel est un don du ciel. Sans lui, on ne pourrait pas circuler sur le fleuve la nuit. Nous masquons les lumières par souci de discrétion. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour retourner en mer? Je leur ai dit que je ne naviguerais pas sous le drapeau d'un usurpateur. Vous auriez vu leur tête. Maudit soit ce Lord Régent. J'aurais pu me tourner vers la piraterie, mais j'ai eu comme une révélation, et j'ai rassemblé un petit groupe de résistants. Votre attention, citoyen de Dunwall. L'Empire doit tout à sa marine. Ne l'oubliez jamais. J'ai servi fièrement jusqu'au coup de force des bureaucrates. Pendleton est un type bien. Il était proche de ce serpent de Lord Régent. Ne le jugez pas trop sévèrement parce qu'il est noble. Ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac. J'ai acheté ce bar il y a des années. Nous étions plus insouciants. C'était avant la peste, avant le meurtre de l'impératrice, avant que tout ne foute le camp. Mais nous redresserons la barre, vous et moi. Attention, citoyens de Dunwall. Lady Emily Caldwin a été enlevée il y a 6 mois environ, le jour du meurtre de sa mère. Quiconque détient des informations permettant de retrouver l'enfant de notre bien-aimée impératrice est tenu de se présenter immédiatement à la garde urbaine. Vous avez perdu l'esprit? Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que c'était que ça? Corvo, qu'est-ce que vous faites? Vous avez perdu l'esprit? Attention, citoyens de Dunwall. Le couvre-feu est en vigueur jusqu'à l'aube, sauf autorisation contraire. Tout contrevenant sera soumis à interrogatoire et placé en détention. N'oubliez pas, les mesures les plus dures sont aussi les plus sûres. Inattendu. Et je vous fabriquerai armes et équipements, du sur-mesure, rien que pour vous. Je vais vous créer les outils d'un maître assassin. Non, pas là, pas maintenant, le réservoir d'huile est à sec. Vous pourriez m'en descendre à nouveau, pendant que je maintiens ça en place, mais attention, l'huile est instable. Les explosions font de sacrés dégâts.
l'Académie enseigne l'idée absurde que l'huile de baleine produit de l'énergie afin de maintenir les fonctions vitales de l'animal dans les profondeurs de l'océan. C'est ce qui lui permettrait de résister à la pression et au froid. J'en déduis qu'un être humain, après une phase d'adaptation, devrait, lui, pouvoir produire ce genre d'humeur. Pour le confirmer, je pourrais construire un réservoir à pression modulable, y placer un sujet et observer son évolution au fil du temps, pendant des années, si nécessaire. L'impératrice pourra certainement me procurer le matériel, le sujet et l'amnistie légale dont j'aurai besoin. Parfait. Branchez-le. C'est parfait. Merci, Gorb. Là, vous voyez, le masque de l'assassin. Vous êtes un homme recherché, donc tout le monde connaît votre tête. Mais avec ce masque, vous allez les terroriser. Alors là, ne bougez plus, il faut que je vous l'ajuste. Voilà. Vous voyez correctement ? Cette lentille n'est pas alignée, là. Ça y est, c'est mieux, non? Je peux vous faire bien d'autres choses. Des améliorations, des armes, des munitions. Mais nous manquons cruellement de moyens. Trouvez-moi des objets de valeur en ville, j'irai les revendre au marché noir. Ça nous donnera des fonds pour fabriquer ce qu'il vous faut. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Être épuisé. Je vous conseille d'aller dormir au plus vite. Votre existence va être mise à rude épreuve. Alors, allez vous reposer. Très bien. À vous de voir. Prévenez-moi si vous avez besoin d'autre chose. Dites-moi ce que je peux faire pour vous.
Votre attention, citoyens de Dunois. Le vieux port a été ajouté à la liste des évacuations. Les géniards ont proliféré lors du mois de la semence. Le Lord Régent a décrété le maintien des arrêtés concernant la peste. J'ai servi sous les ordres de l'amiral. Il était capitaine. Restez loyaux. Ça m'étonnerait qu'il s'en souvienne. J'ose pas lui demander. Je voudrais pas l'embarrasser. Je n'étais qu'un modeste batelier. Je crapahutais sur le fleuve avec des paquets. Mais je sais la boucler quand il faut, ça oui. Faut pas compter sur moi pour descendre plus en aval. Vers le quartier inondé, il y a du cadavre à l'appel. J'ai eu ma part de combat à l'époque. Et vous avez l'air taillé pour ça. Donnez l'ordre et je vous couvrirai. Les petites gens de la ville comme nous autres, on regrette terriblement l'impératrice. Et dire que la petite Émilie est là, dehors, quelque part, c'est beaucoup trop d'injustice pour des gens comme moi. Vous avez vu Pierrot ? Bien. Allez prendre un peu de repos. On aura bientôt besoin de vous. Wallace, le valet de Lord Pendleton, vous attend à l'étage. Il vous conduira à vos appartements. Dormez bien. Suite à des risques d'infection, tout débarquement fluvial est interdit dans le quartier de la distillerie. Tout contrevenant sera emmené au quartier inondé pour y être réhabilité. Oui, assurément, mais pas d'inquiétude. Il vient prêter main forte à nos maîtres. On dit qu'il a tué l'impératrice. C'est faux, bien sûr. Les gens sont prêts à gober tout ce qu'on leur raconte. Ok. Si l'amiral lui fait confiance, alors moi aussi. Veuillez me suivre jusqu'à vos quartiers. Ce bâtiment remonte à plus de 3 siècles. Tant que Lord Pendleton y logera, je mourrai pour le défendre. C'est d'ailleurs probable. Ce bâtiment remonte à plus de 3 siècles. Tant que Lord Pendleton y logera, je mourrai pour le défendre. C'est d'ailleurs probable. Thank you.